Hello tout le monde, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé un entraînement de gainage qui bouge, du gainage dansant si on peut dire. Pas besoin de matériel, prenez juste votre tapis et on se rejoint. Compter et parler en même temps, c'est pas mon truc. Alors j'ai préparé mon timer. Alors combien de répétitions est-ce qu'on doit faire? Ça dépend de vous, combien de temps est-ce qu'on doit rester. Ici, j'ai mis 20 secondes, on a 3 exercices et j'ai mis 5 secondes de pause entre. Ça nous fait une bonne minute d'exercice à répéter quand même si possible au moins 3 fois. Ok? Donc, je vous les montre d'abord avant de remettre mon timer en place. Le premier exercice, je vais partir hop, de mon chien tête en bas. Et je vais descendre en planche. Je m'attiendrai un petit peu. Hop. Puis je remonte, je relâche. Hop. D'accord. Mon deuxième exercice, je partirai de là en haut. Et je vais donc refaire à peu près la même chose, mais je vais remettre un mouvement de bras. Donc je descends, quand je remonte, hop, je reviens toucher ma jambe opposée. Hop, je viens toucher. D'accord. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de garder les jambes tendues. Vous pouvez fléchir les genoux. Ok. Et mon dernier exercice, je vais rester dans ma planche. Je vais faire ce mouvement-là qui est assez connu, mais ce qu'on va remettre, c'est du mouvement de bassin. Donc, je vais pivoter. Ok? C'est parti. Je mets le timer assez fort, comme ça vous allez le faire avec moi. Vous entendrez le son. Donc, on va commencer. Go! Hop, mon premier mouvement, c'était chien tête en bas, planche. Go! Je monte. Souffle et grandis au maximum. Donc, le ventre rentre. On maintient, on repousse bien sur les bras. Hop. Je remonte, j'inspire, je relâche. Je descends. On sort bien la tête des épaules. Rest. Ok. C'est un peu court, 20 secondes. Hein. On pourrait faire plus. Go. Hop. C'était la même chose. Je descendais. Je remonte, je touche. Descends. Remonte, touche. N'oubliez pas, vous pouvez fléchir les genoux si vous sentez que ça tire trop au niveau du dos. Essayez de bien monter les fesses vers le ciel. Hop. Rest. Mon troisième, c'est gainage en bougeant le bassin. Go. Hop. Bien repoussé sur les bras. Bien allongé le dos. Et donc, le ventre rentre. Cinq secondes. On lâche pas. Rest. Hop. Je repose. On se repose un petit peu et on repart sur un deuxième tour. Je le remets. Go. En haut. Souffle et descend. On se grandit, on essaie de faire de l'espace dans la position. Puis on revient. Je fais de l'espace au niveau de mes bras en poussant. Je fais de l'espace ici entre mes côtes et mon bassin. Tellement j'essaie de me grandir. Rest. On peut rester là si on veut ou bien en bas. Go. On est reparti. Et voilà, on a fait deux tours. Alors on pourrait en faire plus, bien sûr. Vous avez vu qu'ici, les 20 secondes, c'est un petit peu court. Peut-être mettre un petit timing un petit peu plus long. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez aimé. Comme ça, moi, je trouve ça beaucoup plus fun que de rester en planche sans bouger. Et je trouve ça aussi beaucoup plus utile. Alors, vous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez éprouvé comme difficulté? Ou est-ce que c'était vraiment trop facile? N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce si vous avez aimé ma vidéo. On se retrouve sur Insta, sur Facebook et quoi qu'il en soit, ici, sur ma chaîne YouTube. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao !